c'était bien maman. Comme tu as refait la maison aussi là. Hey. Et en plus comme tu aimes encore les mêmes les photos là. Non, là la maison est éclatante. C'est bien. Attends, celle-là. Hey, je veux qu'elle a sorti là-bas comme le chien. Ah boya, 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 comme ça. Ça n'a pas servi. Vanessa! Ah, on a dit quoi? Vanessa! Vanessa! Il y a eu quoi là, le salon-ci? Il y a eu ce que tu vois. Un sang-plan. Il est sous sa bureau pour cette anxiété. Vanessa! Qui t'a donné l'autorisation de tout bouleverser dans ma maison? Dans ta maison. C'est encore ta maison. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Non. Si tu n'as pas peur de quelqu'un sur la terre, il faut avoir peur d'une femme. Vanessa. Donc comme ça, tu t'auto-proclames la propriétaire de cette maison. Effectivement, je le suis. Ouais maman, tu perds encore le temps. Attrape ses cheveux là-bas. Ok. Vanessa. Vanessa. Je suis encore calme. Je suis encore calme. Tu ne me connais pas quand je me fâche. Parce que si je me fâche avec toi dans cette maison, je ne suis pas sûre que même les restes de ton cadavre, ta famille pourra récupérer. Vanessa, ne me cherche pas. Ce que tu fais là, ne pense pas qu'on achète ça à la boutique. On choisit d'être mauvais ou mauvaise sur cette terre. Le mauvais cœur là, je peux l'instaurer en moi. Ça ne me coûte rien. Et ça ne me prend même rien pour le faire. Vanessa. Vanessa. On dit souvent chez nous en patois qu'elle est. Pardon, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Je suis en train de dire en français ceci. Tant que la rivière encore au niveau de tes genoux, sors de l'eau. Vanessa. Je suis encore calme. Je suis encore posée. Si tu ne veux pas que je t'allume ici comme une allumette, dans cette maison, tu vas arranger tout comme tu avais trouvé positionné. Remets mes choses en place. Je pense que tu es venu tout trouver dans cette maison. Il n'y a rien qui t'appartient dans cette maison, Vanessa. Hein? Là, tu pousses le bouchon. Pas les conneries que tu as fait ici là. Ça ne ressemble à rien. Moche, moche, moche. Là, ne fais même pas ta bouche là. Ne fais pas être aplati sur le mur. Pour commencer, moi, le critère qui me parle. Ça là même. Je n'ai même pas besoin de m'essouffler. J'attends celui qui t'avait amené ici. Il va me dire qui de toi ou moi est la véritable propriétaire des lieux. Parce que pour le moment, tu n'es qu'en concubinage. Tu n'es pas marié. Donc, je vais te prier avec toute la douceur du monde, avec toute la gentillesse possible, de prendre mes photos et de les repositionner. Repositionne mes photos à leur place. Hein? Vanessa, comme je te dis là, repositionne mes photos. Tu n'es mes photos, plus marié ici. Je ne sais pas depuis quand est-ce que tu es la personne désignée par la loi ou par l'État pour séparer les gens. C'est toi qui programme les divorces. Hein? Tu connais même ce que c'est que être marié. Tu connais à quoi ressemble l'acte de mariage avant de prononcer un divorce. Question posée. Hein? Prends ça. Tu peux mettre dans ton soi-disant acte de mariage. Je n'irai nulle part avec. Si tu me cherches, c'est avec ça que je vais aplatir ton visage. Prends mes photos, remets-les où tu les as enlevées. Ça n'a pas sa place là-bas. Prends mes photos, remets à leur place. Mes photos aussi. Non, pas de place là-bas, Cristal. Vanessa, je ne vais pas commettre un meurtre. Mais à cette allure, tu risquerais d'être la première personne que je vais assassiner sur cette terre. Comme... Et après,
suivra ton histoire, ça, ta chose là. Ton mère, ta mère, les photos, si. Moi, je ne bouge pas. C'est comme ma mère dit, la photo ne bouge pas. Je prends la pierre, je pose sur mon cœur. Je préfère me maîtriser pour le moment. J'attends Rob dans la maison aussi. Et je verrai comment mes photos n'iront pas à leur place. Il faut aller dedans, j'attends ton père. Maman, moi, je ne te laisse pas ici seule. Moi aussi, j'attends, papa. Tcha tcha, tu gères ça. Tu es obligée de parler. Maman, ça ne touche pas. Même papa m'a dit que nous sommes séparés ici. Et madame, désormais, c'est ici que tu vas t'asseoir. Je viens m'enlever, tu me mets là-bas. Là-bas. Jusqu'à elle parle. Elle me coupe le doigt. Mouf. Laisse ma mère. C'est ton père qui attend ici là. Oui. C'est ton père. Appelle papa, non. Appelle papa. Désolé, c'est la rue, tu vas t'asseoir. Tu connais comment est-ce qu'on achète une chaise? Appelle papa. Pour fiasse. Tu connais comment on achète une chaise? Tu connais comment on achète une table? Tu connais comment on achète même une cuillère? Imbécile au carré. Ce sont les hommes qui achètent, elle est bien seulement déplacée. Quoi? Il ne décroche pas. Il va décrocher, même s'il décroche la si dame. Si tu n'arrives pas ici. Oui, il faut venir. Parce que quand ton cadavre va tomber. Oui. Comme je te dis là. Pardon, ne gronde pas mon père. Ne gronde même pas mon père. Rob connaît ma folie. Il connaît ma folie. Dit que il connaît mon degré. C'est bien séparé, j'ai bien séparé. Tu veux m'expérimenter, non? Tu as séparé, mais toi, tu as la là. Oui, je le dis pour que je connais ta place. Tu vas me goûter. Elle n'a pas tu vas me dire si je suis trop salée, si je suis trop sucrée. Elle va s'asseoir, tu vas voir. Attends, papa. Tu te fatigues pour rien. Tes écorces là-bas, ça va s'arrêter un jour. Ce sera le lot. C'est pour ça que je ne cours pas trop avec toi. Parce que le mal n'a jamais triomphé sur le bien. Le diable est un menteur. Tes écorces que le diable est un menteur. Pour le moment, il a créé ses mentir. Il te nourrit d'espoir. Il te promet le luxe. Il te promet la richesse. Il te promet le bonheur. Lui-même, pourquoi il n'a pas le bonheur qu'il te promet là? Pourquoi il n'a pas tout ce qu'il te promet? Tu ne vois pas que tu es belle. Tu es bête depuis la naissance et tu demeureras bête comme ce que tu mets au monde. Tu es bête tu, jusqu'à ta dernière génération. Attends, elle m'envoie, non. Pourquoi tu travailles beaucoup? De toutes papa, les façons, non. Attendons, Rob. Ce que j'ai entendu là, que tu es une sorcière. Est-ce quand toi-même tu vois là, tu vois comment? Tu entends encore? Tu ne vois pas déjà? La sorcellerie, gros max. Si je te reprends même, tu vas fondre. Reprends, maman. Je suis prête. Tu sais pourquoi tu te gaspilles. Ah, c'est elle, jusqu'à la porter le pantalon, venir s'asseoir qu'elle m'attend. Tu penses comment elle porter ça, pourquoi? Il va pas prendre salé. Elle t'attend. Allez, retour, je suis là. J'attends celui qui t'a fait la ministre. Elle convient, attends, tu vas voir. D'accord. Quand tu parles avec ta biche, tu touches la perruque des morts, là, elle est là-bas comme un enfant avec deux pères, je ne suis pas comme toi. Il y a pas les 8 pères même, ça te dérange en quoi? Là où elle est cotisée. C'est vrai que c'est comme les bâtisses. Sauf que ma mère n'est pas bordée comme toi. Dans les ordures. Qui savait tes pères, même pas. Reste à l'écart, ferme ta bouche. Tu as vu, j'ai déjà fermé ma bouche, non? On attend ton père. Faut laisser les îles écrites bavarder entre elles. Les brouillons. Si elles savaient à quoi ressemble un brouillon, si au moins tu avais fait un examen dans ta vie, tu saurais à quoi ressemble un brouillon. Tu comme le papier qu'on a foissé. Moi, je suis un papier foissé. Toi, tu es un papier unique après usage. Toi-même, tu peux souvent regarder le papier unique après usage. Quand tu as déjà fini de te torcher, tu peux le regarder. Net, toi. Si on repasse le papier, là, ça ne peut jamais devenir comme ça.
Edier, vous faites quoi là? Christelle et sa fille. Vous ne pouvez pas aller vous coucher. Comment vous faites quoi là? Vous deviez aller dormir. Tu ne viens pas nous chasser. Moi, je suis l'épouse légitime. Okay. Donc, j'ai le droit d'attendre mon mari ici sur place. C'est écrit. Quoi, la villageoise, s'il est écrit, tu ne cesseras jamais de me battre. Tu me surprends de jour en jour, tu parles français. Tu es l'épouse quoi, maman? Tu sais même ce que ça veut dire. Tu t'es mariée où? Tu t'es mariée quand on a vu, ma co. J'ai été dotée. Donc, vous doit la dot, c'est le mariage. Ok. On attend seulement notre mari. De toutes les façons, il est épousé légitime. Tu attends ton mari avec qui? Tu es mariée ici. S'il fallait se justifier là, tu as une preuve de ce que tu avances. Tu as l'acte de ta dot. Ce mari. Petite dot qui est en danger. Il ne sait même pas si le lendemain on peut le prendre. C'est en danger. Je veux que tu es mariée. Elle a déjà vu où on a donné le document à quelqu'un que, après la dot, voici ce qui certifie que tu as doté. La dot même, c'est l'ANA. Il n'y a pas de traçabilité. Tu vas justifier avec quoi qu'on t'avait doté. De toutes les façons, restez là. Sandra, moi, je vais aller me coucher. Toi, tu restes aussi là. Il fallait rester, non. Il fallait rester. Viens t'asseoir. Ton pied qui a la pointure de 50 là. Une femme. Aïe, maman. Toi aussi, je ne te comprends même pas. Finalement, tu deviens comment? Quand toi, tu restes là, tu certifies ce qu'elle fait. Tu es contente. Pourquoi on ne sait pas ce qu'elle va rester faire ici? Mais là-bas, on est ici avec la personne avec qui elle va pouvoir. On ne va pas coucher. Donne-moi la baguette et fausse boulangerie ici. On a réagi même. Hein? Toi, tu vois même les choses comment? Non, parce qu'elle a eu à cramper papa que oui, ce n'était pas comme ça. Et maintenant, elle se croit la grande dame de cette maison. Toi, tu laisses ça passer. Hein? Patricia, prends ton mal en patience, ma fille. Prends ton mal en patience. Laisse. La pierre de Dieu écrase lentement. Mais le bing est souvent fatal. Laisse-la s'embrouiller comme elle s'embrouille là. Je n'ai pas de preuves à faire ici. J'ai déjà fait mes preuves. C'est elle qui connaît ce qu'elle veut montrer à qui. Moi je ne suis en concurrence avec personne. Calme-toi. Tu devrais même aller te coucher. Je vais rester dans mon mari. L'histoire, c'est un conseil. Franchement, cette histoire n'est plus simple. Donc, parce qu'elle a seulement causé un peu avec papa comme ça, elle a essayé de dire que oui, c'est pas ça. Faire comprendre à papa que ce qu'on a fait là, ce n'était pas vrai. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, papa a cru. Moi-même, je sais que ce n'est pas simple. Faire les choses comme elle veut. Je sais que ce n'est pas simple. Voilà pourquoi je ne m'agite pas. En m'agitant, je vais perdre les idées et je vais perdre de vue l'objectif. Je ne m'agite pas. Va dormir. Laisse-moi, je vais gérer mon problème. J'attends ton père ici. Maman, donc je veux dire que tu vas continuer à dormir ici au salon. Waouh. C'est ton mariage ou c'est mon mariage? Tu voulais dormir au salon pour moi. J'attends mon mari. Je suis inquiète. Ne reste pas là. Tu vas croire que tu dois tout faire avec le cœur. Ma chérie, il faut toujours mettre la tête. Demain, tu vas appeler à aller à moi. Tu comprends? Tu es appelé à aller en mariage. Maintenant, je ne connais pas si ton mariage va ressembler au mien. Mais, de grâce, prends les coups sur ma façon de faire et ma façon d'agir. Ça pourra t'aider plus tard. Je suis inquiète, je ne connais pas où ton père est, ce qu'il fait. Peut-être il lui est arrivé quelque chose. Peut-être il est en danger quelque part. Peut-être, je ne sais pas. Quand un homme est dehors, ma fille, ça ne veut forcément pas dire qu'il est là traîné chez une femme ou avec des femmes. Je suis même beaucoup plus inquiète parce que tout à l'heure, je suis allée dans la chambre, je l'ai appelé. J'appelle encore. J'ai écrit, il ne répond pas. Jusque-là, est-ce que tu as su mon téléphone sonner? J'ai, il me rappelle. Il ne me rappelle pas. Donc, moi, cette situation-là me dérange plus que
ce faux problème, parce que ça, là, j'appelle ça un faux problème. Il faut que je sache si mon mari va bien, s'il n'a pas été kidnappé, ou s'il n'a pas été agressé, ou s'il n'a pas eu un accident. Non, maman, tout ça. Non, c'est de... voilà. Voilà pourquoi je reste là pour l'attendre. Il faut que je me rassure que mon mari va bien. Maman, ton papa va rentrer. Prions. Ça, ça va me déconcentrer. Prions Dieu. Prions seulement Dieu. Ou bien il est en train de travailler. Parce que c'est comme ça, tu vas vouloir. Il va me fâcher là pour rien. Alors que peut-être qu'il est au travail. Maintenant, il va me fâcher là. Je vais dire qu'il me fâche. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas travailler pour nous? En tout cas, maman, elle se dit. Même le drame, je ne veux pas. Il me fait attendre mon mari comme ça. Le temps ne fait que passer. J'ai appelé tout à l'heure, il était une. Ouais, Seigneur, pardon, protège-le. J'espère que vraiment rien de mal ne lui est arrivé. Déjà plus d'une heure du matin. Le salopard n'est toujours pas rentré. J'espère que tu n'es pas dans les bras d'une autre fille. Là-bas dehors, comme deux femmes ne te suffisent pas. En tout cas, tu vas rentrer me trouver ici là. S'il savait seulement que tu es dans les bras d'une autre fille, Rob, qu'on te tape là-bas, que tu meurs même. Que tu meurs. Ah, c'est même quoi ça? J'ai épousé la maison. Il est à 6 heures. Ton numéro ne passe même plus. Hey. Seigneur, mais c'est quoi ça encore? C'est quoi comme ça? Carrément jour. Oh, tu es où? Seigneur, pardon, protège mon mari. Pardon, je sais qu'il ne lui est rien arrivé. Seigneur, pardon, ne me lâche pas, papa. Tu as toujours été là pour moi, pardon. Je suis là à vagabonder. Ça marchait, traîner dans la maison comme un mauvais esprit. Je sais que qu'est-ce que je peux faire? Je fais quoi? Je n'ai même pas dormi. Comment elle est même d'abord dormi s'il n'est pas là? Mais c'est quoi? C'est la première fois. Je ne sais pas si c'est là. Si tu ne m'aides pas, Seigneur, qui d'autre va m'aider? C'est quoi ça? Seigneur, hé! 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 Hé!
blessée? Tu touches qui? Je suis fière que tu sois... Tu es fière de qui? Je m'inquiétais pour toi. Tu t'inquiètes pour qui? Je ne fais que te poser cette question-là. Ouais, pardon, qu'est-ce que c'est pas... S'il te plaît, ne me touche pas. Je veux savoir si tu vas bien. Je dis, hein, demande après tes parents. Arrête de me poser des questions. Ne me touche pas. Je te fais quelque chose. Hein. Tu as compris? Donc je suis dehors, je ne peux pas vivre ma vie. Tu es qui? Pour me suivre ou pour me contrôler? Tu es ma femme? Mais, affaire, c'est devenu déjà sérieuse. Hein. Papa refuse que maman le touche. Il refuse que maman le touche. Non. L'histoire, ce n'est pas simple. C'est vrai que la femme s'y pratique. Papa et maman qui étaient comme l'ongle et le doigt. Finalement, je comprends plus. Il faut que je profite, je passe par la porte arrière. Je pars rapidement, on va t'entendre. Achille, il faut qu'on parle de ça. Pour le moment, tu n'es pas ma femme. Je t'ai dit, tu en as pour 7 jours. Et si tu persistes comme tu fais là, je vais ajouter d'autres jours. On est où là? Hein? Reste loin de moi, reste loin de moi. Pardon. Te rapproche-toi de moi. Et t'ai dit, reste loin, loin. Oui, reste loin. C'est quoi ça? Oh, j'ai fait quoi? Pourquoi tu me crées? Oh, attends un peu. Je n'ai même pas vu tout ce bazar. J'ai dit, hein? Qui t'a donné l'autorisation, Cristal? Qui? De déplacer les meubles comme ça à la maison, de faire... Donc tu chamboules les choses maintenant comme tu veux. Tu es qui dans cette maison? Tu as eu à requérir mon avis avant de faire ça. Regarde même comment c'est moche. C'est quoi ça? Hein? Qui t'a donné cette autorisation? Ce n'est pas moi. Comme ce n'est pas toi, c'est qui? Ce n'est pas la voix du connard là que j'entends là-bas. Donc comme ça, Rob est rentré. Au lieu de venir directement voir la reine que je suis, il reste là-bas à cause avec l'inutile là. En tout cas, tu es venu me trouver ici. C'est Patricia qui est venu me chercher la chambre. Quand je suis arrivée, j'ai aussi trouvé ça. C'est Vanessa qui a changé notre maison comme ça. Je ne sais même pas pour qui la fille là se prend depuis un temps. Non, ça va, ça va. Ça va, si c'est ma chérie, c'est bon. Là même, c'est beau. Chérie, subitement, que tu le dis là. Regarde. Franchement, c'est beau à mes yeux. Elle a enlevé même ma photo avec une autre photo. Nous sommes ensemble. Elle dit qu'elle ne veut plus voir ses yeux alors qu'elle ne met plus mes photos ici. Et si c'est normal, il faut lui parler. Moi, tu ne veux pas les problèmes. Et selon toi, tu trouves qu'elle a mal fait. Les photos là-même, je pense qu'elle a très bien fait. Parce que honnêtement, ça salit la vue. À un moment donné, normalement, ça ne devrait plus exister ici. Tu es puni. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas. Hein? En parlant même de ces photos, je pense même qu'il y a une photo qui a été oubliée. Celle-ci, elle a été oubliée. Donc, tiens-la, ajoute ça à tes photos. Tu pourras bien les tenir. Elles ne reviendront ici au salon. Probablement que si tu te comportes bien, quand tu te serais bien comporté, nous allons les remettre. Pour le moment là, tu vas les garder avec toi. Elle a bien fait d'arranger les choses. Je me dis, je comprends un peu son esprit. Parce que selon elle, peut-être ton mauvais esprit là se baladait, comme c'est toi qui avais fait le rangement des autres choses. Donc il fallait qu'elle corrige ça. Donc elle a bien fait. C'est vraiment beau. Je vais l'encourager, même lui donner un petit truc pour ça. Tes photos, tu les gardes avec toi. Ça ne sert à rien. Ce sont tes photos. Tu fais de ça ce que tu veux. Ou tu te les fous où tu veux. Et tu arrêtes de t'inquiéter pour moi. Je t'ai dit ça. J'ai tué qui? Parce que maintenant, c'est comme si je suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille qui sont déjà décédés. Et t'as fait quoi? Non, simplement parce que je te demande d'être vigilant. Simplement parce que je te dis que le père de Sangha était ici. Ou bien parce que j'ai demandé, j'ai fait sortir Sangha. Toi, me mets-toi à ma place. Si c'est toi, tu restes comme ça là. Tu entends que Patricia est notre père et qu'il a pris le courage d'être venu ici là. Tu devais faire comment? Ne me pose pas des questions. Mets-toi à ma place. Ne me pose pas des questions. D'ailleurs, je fais mon quoi ici avec toi. Je perds mon temps ici. N'oublie pas tout ce qu'on a vécu. Ne me touche pas. Ne me touche pas. On a vécu quoi? Il y a des femmes qui ont... Ouais, je t'ai dit de ne pas me toucher. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu as fini par faire qu'elle soit violente avec toi. On a traversé quoi ensemble? Tu m'as déjà fait quoi dans la vie? Tu m'as fait quoi? Tu me sers à quoi dans la vie? J'ai réussi ma vie grâce à mon travail et tout. Tu m'as donné un 5 francs pour réussir ma vie. N'oublie pas, je n'oublie pas quoi. Tu dégages de là, hein. Tu dégages de ma vie.
à pleurer. Parce que ce sera te montrer trop de faiblesse de ma part. On te confie à Dieu, surtout toi, Vanessa. Il te remet à Dieu. La pierre de Dieu écrase lentement. Mais je t'assure, le réveil sera fatal. Tu vas récolter ce que tu as cru de semer dans ma vie. Mais là, ma secret là, Vanessa, tu vas pleurer plus que moi. Tu vas voir. Vanessa a eu quelque chose de pire. Je laisse la vengeance à Dieu parce que lui-même, il saura gérer le problème si pour moi. Maintenant, j'espère au moins que toi, tu viennes. C'est bon, j'ai eu ma douce.